Hey, salut les gars, c'est Caoutchouc les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo d'achat-revente. Donc comme vous pouvez voir, j'ai fait 13 ventes les gars. Alors les 13 ventes c'est pas folichon. Alors c'est que des petits bénéfices. Donc comme vous pouvez voir, du Abdenour, Benteke, Vidic, Sako, Jagielka, Zabaleta, Benteke, Ivanovic deux fois. Et deux Kurt Zuma derrière qui suivent, un Jagielka et un Benteke. Donc comme vous pouvez voir les gars, c'est énormément de gens de l'équipe Barclay que j'ai vendu. Donc c'est des cartes que j'ai pris avec la tech chasseur ou la tech ombre. Pour ceux qui ne connaissent pas la technique, je vais vous la montrer tout de suite. Donc très simplement, vous allez dans le marché des transferts, ici le prix max, vous mettez bien 1100, vous choisissez le style ombre, que ombre ou chasseur, et vous faites triangle. Donc il y a les joueurs qui défilent devant le marché des transferts, comme vous pouvez voir. Donc Cantrao par exemple, j'ai fait mon offre à 900 crédits. Qui sait, je vais peut-être l'avoir. Une fois que vous avez vos cartes, vous les relistez. Pardon, petit bug. 800 à 1000 crédits plus cher du prix de l'achat, quoi. Et vous allez voir qu'à force de relister, ça va marcher. Vous faites exactement la même chose pour les cartes chasseurs. En sachant que les cartes chasseurs... faut mettre un peu plus d'argent, quoi, tout simplement. Donc les cartes chasseurs 1100, à mon avis, vous n'allez pas en avoir beaucoup. Donc là, j'ai fait une petite offre sur Matza du Paris Saint-Germain. Donc 950 crédits, les gars. Donc j'espère l'avoir. Evra, actuellement, on va faire une petite offre à 700 crédits. Mais qui sait, un petit bas comme 1200, pourquoi pas, pourquoi pas. Donc les gars, voilà, je fais mes petites enchères. J'espère que cette vidéo courte et bizarre vous aura plu. Je vous dis ciao. N'hésitez pas à vous abonner, mettre des pouces, ça ferait plaisir. Ouais, ciao.